Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube Moula Causée et sur le blog Moula Causée. Je m'appelle Marianne et aujourd'hui je vais partager les 5 jours que j'ai passés à Lisbonne lors de mon premier voyage en solo au Portugal. Ça a été mon cadeau pour mes 30 ans. Je voulais me challenger et étendre ma zone de confort et tester mon sentiment d'insécurité. Et je suis partie dans cette capitale parce que l'on m'a conseillé. C'est une ville qui m'a accueillie avec chaleur et avec beaucoup de musique et de rencontres, déjà par le biais de ces danseurs de rue, ces artistes de rue qui ont mis le feu à la rue principale qui donne vers la plage du. La plage de la place du commerce que vous voyez juste ici. C'est une plage qui est fort prisée pour prendre des photos en amoureux. D'ailleurs, j'ai fait la photographe. Puis après, je suis partie pour profiter de mon cadeau. Un cadeau qui m'a été offert par deux de mes amis. Sophie et Suzanne, qui étaient déjà passées par Lisbonne et qui avaient adoré cette ville, et donc elles m'avaient réservé une soirée pour découvrir la culture du fado et un concert de fado dans un petit restaurant. Et je partage avec vous. Et c'est la guide que j'ai eue durant cette soirée, c'est Diana de Discover Lisbonne. Et là, je partage une partie du concert. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette chanteuse. Le fado est est une musique populaire qui est née, si je me souviens bien, au 19e siècle et qui parle de mélancolie, de militantisme, d'amour déchu. Par la suite, qui a eu tellement de succès qu'il a touché la bourgeoisie et qu'il est devenu aussi national. Mais c'est une musique. C'est une musique qui est née à Lisbonne. J'ai vraiment adoré cette soirée et en plus ça m'a permis de rencontrer Diana avec qui j'ai découvert Lisbonne la nuit durant 3 jours et ça m'a permis aussi de sortir du circuit touristique et ça m'a vraiment fait plaisir de passer du temps avec elle et Antonella. Ici c'est la vue que j'avais sur le mont Senora, une vue de la ville en contrebas qui était magnifique. En plus, ce jour-là, il faisait très beau. Donc, je partage ça avec vous. Il y a énormément de street art à Lisbonne, je le savais. Mais ça, le fait de le voir comme ça a rendu encore les visites et la découverte de la ville encore plus intéressante parce qu'il y a beaucoup de messages, d'humour et j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi découvert dans l'église de Senora un artiste que justement je vous partage dans l'article qui se rattache à cette vidéo sur mon blog www.moulacausée.com. N'hésitez pas à aller sur le site, comme ça vous avez toutes les infos pratiques et ce qui se réfère à ce que vous voyez dans cette vidéo pour un peu plus comprendre comment j'ai vécu ces 5 jours à Lisbonne. Là, c'est une expérience que j'ai faite. J'ai pris le tram 28. Qui a un célèbre tram qui traverse la ville, le centre-ville, et qui relie différents quartiers de Lisbonne.
fait la nuit, parce que je voulais avoir cette ambiance. Et là, je montre ça. C'est filmé comme d'habitude au feeling. Et j'ai beaucoup aimé voir les gens, la vie nocturne de cette ville, de voir aussi les différences des quartiers, les quartiers populaires, les quartiers plus bourgeois. C'est très marrant aussi de prendre ce tram parce que ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de bruit. Et il est toujours accueilli un peu avec un sourire parce que c'est un emblème de la ville en fait. Marrant et agréable de découvrir la ville comme ça. Après l'avoir découvert à pied, de la voir autrement, c'était plutôt agréable. Et je pourrais dire que j'ai beaucoup écouté de Fado et c'est un courant musical que j'ai apprécié. J'ai eu un gros coup de cœur pour le quartier d'Alfama et que je vous conseille d'aller parce qu'il y a énormément de choses artistiques et historiques. Et le marché aux puces qui a lieu le samedi est très intéressant. Il y a des boutiques aussi qui m'ont vraiment bien plu. Et je trouvais que c'était bien de terminer. J'ai terminé mon séjour avec deux concerts dans deux lieux culturels du côté d'Intendente, dans le quartier où je résidais, avec Diana et Antonella. Et d'autres de leurs amis. Et je remercie encore à Diana et Antonella de m'avoir pris sous leurs ailes et de m'avoir fait découvrir Lisbonne d'une autre manière. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et la deuxième partie, ce sera la danse.